Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Partagez au maximum la vidéo. Rapido rapido. Ça c'est une vidéo qui prend pas du temps, rapidement. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Partagez, partagez, partagez rapido rapido rapido. Partagez la vidéo les amis. Mettez beaucoup de cœurs, beaucoup d'étoiles. On va rapidement framponner et quitter quoi. On n'a pas le temps aujourd'hui. Partagez, partagez la vidéo au maximum. On a un sujet très intéressant et c'est très important. Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez. Les politiques, les hommes politiques, nous allons parler de M. Bauri et de M. Sirudalengjalo, parce qu'il y a un événement qui s'est passé hier. Et alors on ne sait pas exactement qui dit la vérité et qui ment. Parce que vous savez, euh, Monsieur Siloula euh, Lenjalo euh, est allé chez Monsieur Mamadou Silla. Alors, euh, partagez la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de cœur. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de cœur. Nous, nous sommes euh, des gens qui cherchent la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Donc, euh, nous savons que entre Baouri et Seroudal il y a réellement un, un souci de compréhension, il y a une rivalité entre les deux, et euh, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que d'autres le savent. Mais nous, euh, en général, euh, on ne sait pas pourquoi. Il y a une guerre froide, hein? il y a une bonne guerre entre M. Siloudal Dalengelo et M. Bauri. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Dans ce sujet de, de rendez-vous euh, chez M. Mamadou Silla, alors, vous avez constaté que il y a une réunion là. Et M. Serouda est allé euh, chez M. Sila Patrona, qui est son ami de longue date. Mettez beaucoup de cœur, likez la vidéo, mettez des étoiles beaucoup, beaucoup, et partagez la vidéo. Alors, M. Serouda a déclaré, je cite, que je suis venu rendre visite à mon ami Mamadou Sila. Je ne savais même pas qu'il y avait une réunion. Et l'ANAD n'est même pas au courant, l'ANAD n'est pas informé, donc euh, c'est pas une réunion que j'étais venu assister, mais plutôt une salutation, une visite de courtoisie euh, que j'ai voulu faire euh, à mon cher ami, d'accord, une, une visite de courtoisie. Comme d'habitude, euh, il a l'habitude, il, il va souvent chez des gens, il rend visite euh, aux gens, il salue les gens. C'est ce qu'il a dit. Il dit même que l'ANAD n'était pas au courant. Alors, PIC, après que M. Siroudalen Jallot soit, soit parti, euh, après cette réunion, M. Baouri a fait, a fait un écrit, a posté sur sa page Facebook. Et il a démenti catégoriquement les propos de Siroudalen jalo Alors, je vais vous dire exactement ce que M. Baouri a dit. M. Baour dit, je cite, Hier, il y a eu des échanges entre le président de l'ANAD, M. Siloudal et le président du comité exécutif de Cored, Eladj Mamadou Silla, avec les bons offices du Dr. Ousmane Doré, de l'Alliance politique où se trouve Dr. Ousmane Kaba, pour qu'il y ait une rencontre aujourd'hui pour déblayer le terrain pour une transition réussite. Réussite Monsieur Seloudalin, venu très tardivement, au lieu d'aller dans cette direction, il a plutôt déclaré qu'il est venu simplement pour saluer son ami Elage Mamadou Silla. Cette déclaration n'a pas été du goût de la grande majorité des personnes qui y étaient présentes dans la salle. En fin de compte, la réunion qui aurait pu se dérouler bien s'est terminée en queue de poisson. Mais, Quoi qu'il en soit, la dynamique de réunir la classe politique pour agir et accompagner efficacement la transition demeure en ce qui nous concerne. Alors, qu'est-ce que M. Baouri veut dire C'est pourquoi je dis entre M. Selou Dalendialo et M. Baouri qui ment et qui dit la vérité M. Baouri veut nous faire croire ici que M. Selou Dalendialo était invité. M. Silou Dalendialo savait très bien qu'il y avait une réunion. Et que M. Selou est venu en retard. Alors, M. Dalen Diallo, au lieu d'aller dans le sens de la réunion, au lieu d'aller dans le sens de la convocation, dans le but même de leur euh, cette assise, M. Seloudal Diallo n'a pas fait cela. Il a déclaré tout simplement qu'il est venu saluer son ami Elage Mamadou euh, Silla. Alors, évidemment, euh, M. Selou ne peut pas s'amuser à mentir au peuple de Guinée. Parce que quand il dit, l'Anad n'était même, même pas au courant qu'il y avait une réunion, je ne suis pas venu pour une réunion, je suis venu saluer mon ami, alors on se dit que M. Monsieur, Selou monsieur ben il ne peut pas s'amuser à mentir. Est-ce vrai, il était au courant de la réunion Est-ce vrai, c'est que M. dit que M. Lengialo, au lieu d'aller dans ce sens de la réunion, il a préféré tout, tout simplement dire autre chose, ce qui n'a pas été le goût de, des, autres, euh, des autres membres convoqués. Donc, le but de cette réunion, c'était de, de se donner la main, peut-être, c'était de se donner la main, euh, d'assister à la transition et donner une direction positive à la transition. À en croire à M. Baouri. Alors, c'est pourquoi je dis, entre M. Silou et M. Baouri, qui ment, qui dit la vérité On sait évidemment qu'il y a un problème, il y a une rivalité farouche entre M. Silou et M. Baouri. Alors, si M. Silou était au courant de cette réunion, s'il était venu dans le but d'assister à cette réunion, pourquoi a-t-il démenti, pourquoi a-t-il déclaré qu'il était venu simplement pour assister à une réunion à, 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 pour, pour saluer son ami et non assister à une réunion. Pourquoi Il avait quel intérêt Ou il a quel intérêt de mentir aux gens Parce que de toutes les façons, il sait que partout où il se déplace, c'est le monde qui est derrière lui. Alors il ne peut pas mentir. Et si c'est un mensonge, il faut qu'on le tape dessus. Ça, c'est clair. On ne peut pas s'amuser à jouer à l'intelligence de tout un peuple. Parce que c'est tout un peuple qui est derrière lui. Et si M. Baouri ment, alors, je ne sais pas pourquoi M. Baourissi, M. Baourissi va mentir. Parce qu'il dit que M. Sirudalin Diallo est venu tardivement. Il devait assister à cette réunion. Et qu'au lieu d'aller dans cette direction, dans cette direction de, de réunion, Sirudalin tout, tout simplement n'a pas fait cela. Il a déclaré qu'il était venu rendre visite à son ami. Moi, la question qui... La chose qui me tarot de l'esprit. D'accord. Ce qui me démange un peu dans les filaments de, de, mes, de mon cerveau, c'est que, oui, M. Sirouda nous dit qu'il était venu pour saluer son ami Sila Patrona. Mais comment se fait-il que la réunion, c'est-à-dire, il vient juste le jour où il y a la, la réunion, pourquoi n'a-t-il pas choisi un autre jour Et savait-il pas qu'il y avait une réunion là parce qu'il faut qu'on soit véridique, il faut qu'on soit, qu soit objectif, il faut qu'on qu soit réaliste. c'est Celui d'aller en se déplaçant de chez lui jusqu'à Mamadou Silla, ne savait-il pas qu'il y avait une réunion Est-ce est qu'il s'agit simplement d'une coïncidence Est-ce que ça a été une coïncidence que lui se déplace de chez lui avec ses gardes, qu'il vienne chez Mamadou Silla et que pile, il tombe là, c'est une réunion Et lui il ne savait pas. Alors, moi je me dis, si c'est une réunion encore, parce que bon, ça peut être une coïncidence, si c'est une réunion, est-ce qu'ils ont envoyé une convocation, est-ce qu'ils ont envoyé une lettre officielle à l'ANAD pour inviter l'ANAD à venir participer Parce que si c'est l'ANAD qui était invité, M. Sirudal-Engialo ne serait pas venu tout seul, il serait venu avec d'autres représentants de l'ANAD. Et on a constaté que euh, les images que les journalistes ont montrées, on a constaté que Selou Dalendiallo était seul. Alors est ce que c'est volontaire? Est-ce que Selou Dalendiallo a fait exprès de venir tout seul répondre à l'invitation? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Il ne peut pas dire aux autres membres de l'ANAD de rester à la maison et lui vient seul représenter l'ANAD, c'est impossible. Au moins deux ou trois personnes représentant de l'ANAD, parce que M. Selouda est dans une coalition, n'est-ce pas? Deux ou trois personnes pouvaient s'ajouter à lui et venir assister à cette réunion. Ou bien dans la lettre qui serait peut-être adressée à l'ANAD, on a simplement demandé le, présent, le, le représentant de l'ANAD. COREG est une alliance. Dans cette alliance, il y a beaucoup de partis politiques. Et le président de, 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 de ce Coreg je pense que c'est Mamadou Silla. Alors, si Mamadou Sila est le représentant légal de cette alliance, M. Monsieur ba, Monsieur Baouri cherchait quoi là-bas? Parce que M. Baouri est, est aussi dans, dans, cette, ali, dans cette alliance qu'on appelle CORED. On ne peut pas inviter l'ANAD et que Seloudalin vienne seul, trouver le président de COREG et M. Baouri là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui ne tourne pas en rond dans cette affaire. Mesdames et messieurs, vous devez comprendre que le véritable problème guinéen, ce sont les politiques. Il n'y a pas de contestation possible. Le problème guinéen, c'est un problème politique. Il faudrait que nos hommes politiques mettent les égaux de côté et pensent au peuple. Parce que ce qui est lancé maintenant là, le Dallin dit autre chose. Baouri dit autre chose. Et il pointe du doigt le Seloudalin parce qu'il va le citer. Il dit, au lieu, monsieur Siloudal Diallo, au lieu d'aller dans cette direction, il a tout simplement choisi une autre voie qui n'a pas été le goût de tout le monde. Alors, il parle de tout le monde. Est-ce que tous ces mondes-là savaient que Siloudal Diallo devrait prendre part à cette réunion Si tel est le cas, pourquoi Siloudalin n'est pas venu aussitôt Un monsieur que je connais ponctuel, pourquoi il n'est pas venu sitôt N'est-ce pas vous devez vous poser aussi des questions comme moi. Si l'ANAD a été convoqué, pourquoi M. Silou Dalendialo et quelques représentants de l'ANAD ne sont pas venus aussitôt Parce qu'on dit qu'il est venu tardivement. Alors, je pense que vous êtes des hommes intelligents, vous êtes des femmes intelligentes. Je pense que je n'ai pas besoin de, de passer par mille choses pour vous faire comprendre. Il faut savoir tout simplement qu'entre M. Baouri et M. Siloudal ben c'est la douche froide, quoi. Il y a un problème qui est véritable là, entre ces deux-là. M. Bauri étant euh, un membre de, 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 de cette alliance qui est correcte, et M. Selou étant le représentant légal de l'ANAD, je pense qu'il y a un problème de leadership, il y a, il y a un problème d'ego Et il faut qu'on combatte ces égos-là. Parce que c'est que vous devez savoir, aujourd'hui, c'est-à-dire dans toute cette bonne guerre, c'est le colonel Mamadou Doumbouya qui tire profit. Parce que lui se dit, ben, écoutez, si les politiques ont du mal à, à s'entendre, moi je suis là, je suis à la tête de l'État. En tant qu'ils ne s'attendent pas sur un sujet, sur quelque chose, en tant qu'ils ne me donnent pas quelque chose de concret, il ben, n'y a pas d'élection. Tout simplement. Et je ne peux pas laisser le pays dans la main de qui que ce soit. Non, il faut que les hommes politiques s'entendent. Je pense que vous avez déjà compris. Quand il a donné 15 sièges à plus de 300 partis politiques, Hey, ils ont du fil à retordre. OK Il y a le bâton dans leur pied là. Il faut qu'ils s'entendent. Comment ils vont se diviser les 15 sièges là entre les 300 partis politiques C'est là le véritable problème. Parce qu'il y a plus de 300 partis politiques. Et tous ces présidents de ces partis politiques disent que tous les partis politiques guinéens sont égaux en droit et en devoir. Donc il n'y a pas de grands partis, il n'y a pas de petits partis. Alors, c'est vous qui savez comment vous allez départager, comment vous allez vous départager, comment vous allez choisir 15 personnes pour aller vous représenter dans, dans, dans cette structure de CNT. Eh oui. Alors, soit vous vous entendez, soit vous faites la guerre, et puis c'est le président colonel Mamadi Doumbia qui tire profit. Et en ce moment, le peuple de Guinée saura tout simplement que le véritable problème de la Guinée, ça vient de vous, vous les hommes politiques. Que ce soit Seloud al que ce soit Baouri, que ce soit Ousmane Kaba, que ce soit Lansana Kouyati, tous ceux qui sont dans les partis politiques, le peuple saura dorénavant que c'est vous les véritables problèmes. Ça va dans votre intérêt, si vous vous entendez. Ça va aussi dans votre désavantage, si vous faites la guerre. En tout cas, le colonel, lui, il est là. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous devez être intelligent, vous les partis politiques, vous les présidents des partis politiques. Vous allez dire 15 sièges, c'est petit. 15 sièges, c'est petit. Mais pour une population de 13 millions d'habitants, la Guinée, petite population de 13 millions d'habitants, est-ce qu'on a besoin d'autant de partis politiques Plus de 300 et quelques partis politiques. Hein? Moi, je me dis quelque part, même les 15 sièges que le colonel Mamadi Doumbouya a donnés aux partis politiques, il devrait même donner 10 ou 9 ou 5. On allait voir comment ils allaient s'organiser. Oh, celui qui a un petit euh, celui qui veut se faire de l'argent, il crée un parti politique. Oh, celui qui veut se faire voir, il crée un parti politique. Oh, celui qui veut se donner une valeur, il crée un parti politique. Ça sert à quoi? Un petit pays comme la Guinée, plus de trois cents partis politiques. Mais ce sont des querelles, bien évidemment. J'ai vu un autre l'autre jour euh, s'agiter pour dire que le ministre de l'administration, de tout ça, tout ça, tout ça, il ne nous respecte pas. Mais moi, je me demande, mais vous, vous êtes qui d'abord pour qu'on vous respecte en Guinée C'est le peuple de Guinée qui passe avant tout. Tous ceux qui sont en train de gueuler aujourd'hui en République de Guinée. Mais vous étiez où dans un passé récent, là, quand Alpha Condé était à la tête de l'État Je pense que si le peuple de Guinée n'est pas hypocrite, si le peuple de Guinée n'est pas mauvais, le peuple de Guinée doit écouter un seul parti politique, un seul président d'un seul parti politique. Les restes-là, ce sont des chiffons. C'est moi qui vous parle et c'est moi qui vous dis, c'est la vérité. Le seul parti politique qui a aujourd'hui de la crédibilité aux yeux du peuple, si le peuple n'est pas hypocrite, c'est l'UFDG et l'ANAD et son président. Que vous voulez ou pas, c'est la vérité. Les restes, là, on les a vus au temps d'Alpha Condé. Le parti qui s'est battu contre la dictature, le parti qui a subi des atrocités, le parti qui n'a pas fléchi, le parti qui n'a pas joué à l'hypocrisie, le parti qui n'a pas joué à la démagogie, c'est l'UFDG et l'ANAD. Et je pense que, je pense que si aujourd'hui le peuple n'est pas hypocrite, si le peuple veut le bonheur, c'est le seul parti que le peuple doit regarder. Et c'est le seul parti que le peuple doit placer sa confiance. Ce n'est pas aux autres là. Les Mamadou Silla, les Baouri, qui se sont dit Oh non, nous allons nous opposer autrement au régime d'Alpha Condé. Notre opposition, ça ne sera pas de la violence. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici Je pense que si le colonel même n'est pas bête, il ne doit même pas vous donner la parole en Guinée. Vous avez joué à l'hypocrisie. N'est-ce pas, c'est vous qui combattez l'ANA de l'UFDG N'est-ce pas, c'est vous qui critiquez, c'est vous qui insultez, c'est vous, vous qui vous moquiez de, 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 du président Seloudalin Diallo Hein Je vous jure, si ce n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation. Moi, j'aurais moi, moi, préféré dire à M. Sirudalan Diallo de ne pas se mélanger à ces gens-là. De ne pas se mélanger à ces hypocrites à ces démagogues de partis politiques en République de Guinée. Alpha Condé était à la tête de l'État. Pendant qu'il y avait la répression, pendant qu'il y avait les victimes, il y avait des massacres, il y avait des assassinats. Vous étiez où C'est aujourd'hui que vous allez parler. Aujourd'hui, vous allez vous mettre à dire que, ah, a fait ceci, il a fait cela. Ah ouais, il a bien fait. Il a bien fait. Il a, fait. Il a mené une lutte. Il a mené une lutte, il est en train de mener cette lutte-là. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici à ces gens-là Vous étiez content, non Quand on a pris les proches collaborateurs de ce monsieur-là, on l'a emprisonné. Quand on a assiégé son domicile. Mais vous étiez content, non Vous étiez content, non Vous avez fait les yeux doux, Alpha Condé, ça a changé à quoi Vous n'avez même pas de crédibilité. Je ne sais même pas, qu'est-ce que Céroudalien Diallo est allé chercher ceci-là, patronat la lui aussi, il est trop humble, trop gentil. Il se dit Je vais aller saluer mon ami. Mais même s'il dit qu'il allait saluer le fils de truc. Mais moi, je me dis C'est quoi ça, même C'est quoi ça On a vu tous ces gens collaborer avec Alpha Condé. Euh, nanani, nanana. Je vous avertis, peuple de Guinée. Peuple de Guinée, ne vous trompez pas. Peuple de Guinée, ne soyez pas hypocrite. Ne vous trompez pas. Le seul et véritable politicien guinéen. Le seul et véritable politicien guinéen crédible, le seul et véritable politicien guinéen que le peuple, doit, le peuple de Guinée doit suivre en République de Guinée, c'est tout simplement M. CDD. Le reste là, ce sont des blablas, ce sont des histoires, ce sont des hypocrites, ce sont des démagogues. Je pense que le monsieur là, sa participation aux élections passées là, ça a beaucoup aidé le peuple de Guinée et ça a aussi aidé le colonel Mamadi Doumbouya à comprendre certaines choses. Alors je pense que le peuple ne va pas se tromper cette fois-ci. Moi, ce que je conseille seulement à M. Silou Ndiallo, c'est de savoir marcher, c'est de ne pas se mélanger avec ces hypocrites-là, c'est de ne pas faire des, des trucs, c'est de ne pas faire des faux pas. Aujourd'hui, il a l'estime, aujourd'hui il a la crédibilité, aujourd'hui il a toutes les faveurs, les bonnes faveurs du peuple de Guinée. Alors il ne faut pas qu'il fasse des mauvais trucs, il ne faut pas qu'il se mélange avec ces, ces gens-là. Ok Nous sommes tous des oiseaux, mais nous n'avons pas les mêmes prix. On ne peut pas nous acheter avec les mêmes prix. Non. Vous, vous êtes le summum de la classe politique guinéenne, M. CDD. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Il faut éviter les, les mauvaises sorties. Diminuer même les salutations. Oh, je vais me rendre, je vais rendre ceci. Éviter même les paroles. Éviter même les médias. Il ne faut même pas vous compromettre. Parce qu'à chaque fois que vous faites des sorties, c'est regarder à la loupe. C'est regarder à la moindre, le moindre faux pas. Moindre faux pas seulement, on vous tombe dessus. Et c'est l'occasion que les RPG se cherchent. Ils se disent, ben écoutez, les gens que vous pensez avoir de la crédibilité, c'est lui qui a encore frappé. Alors évitez ces déplacements inutiles. Si vous n'avez rien à faire, restez chez vous, monsieur CDD. Si vous n'avez absolument si vous n'avez pas d'activité, restez chez vous. C'est tout simplement que ça. On ne veut pas que vous traînez dans la rue avec ces gens qui, qui étaient là, euh, des politiciens alimentaires. Là. On ne veut pas que vous traînez avec eux. Il faut comprendre ça. Les conseillers de M. Serouda Ndiallo, il faut souvent le dire de rester chez lui. Ils doivent, ils, à, ils doivent faire moins d'apparitions maintenant. Je, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi aller se mélanger avec ces gens-là Qu'est-ce que si la patronne n'a pas dit ici si à propos de l'UFDG et son président Qu'est-ce que Baouri n'a pas dit ici? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Le... Qu'est-ce que tu vas aller chercher avec ces gens-là? Tu vas te mélanger avec ces gens-là, pourquoi? Hein? Oh non, correct. Oh non, on veut bien organiser, on veut s'entendre. Oh non, on veut créer l'union pour accompagner la transition. Mais ça, c'est de l'utopie, ça. C'est maintenant, aujourd'hui, vous avez besoin de lui. Parce que vous savez qu'il a une force terrible. Je vous ai dit que les élections organisées en Guinée, transparentes, crédibles, inclusives en Guinée, je ne vois aucun parti politique, je ne vois aucune alliance en Guinée être capable de battre l'anade dans les, dans, les, dans les urnes. Vous voulez la maduer Moi, je ne vais pas vous laisser faire. Ça, c'est clair et net. Je vais droit au but avec vous. Donc sur ce, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris, je n'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui euh, euh, voilà à, à, à parler de ce sujet, il y a d'autres sujets évidemment, mais je pense que demain, inchallah on aura le temps de bien parler de ce sujet les sorties du colonel Mamadi Doumbouya aller dans les ministères euh, voilà parler de, de, de la ministre de la justice, euh, ministère, ministère de la fonction publique il euh, ben, y, y a du boulot, demain inchallah on va faire un très grand live là-dessus et puis je vais vous les coulisses aussi euh, de ce qui s'est passé euh, euh, au niveau de la passation de la police euh, entre Monsieur Monsieur Condé et Monsieur Bafoué, ce qui s'est passé réellement, je viendrai devant vous pour décortiquer ça demain, Inshallah. Donc venez massivement demain. Nous allons faire euh, nous allons encore frapper, nous allons bombarder. Donc, je pense que M. Ségoudal Ndiallo, les membres de l'UFDG, les militants sympathisants de l'UFDG, vous avez déjà compris. Il faut conseiller ce monsieur-là de rester tranquille. Aujourd'hui, en Guinée, il n'y a personne plus proche du pouvoir que lui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est l'homme aujourd'hui de la situation, c'est l'homme qui est plus proche du pouvoir en République de Guinée que n'importe qui. Donc, il doit, il doit se gérer, quoi. Vous devez, vous devez l'aider à se gérer. D'accord On n'a pas besoin qu'il fasse des faux pas. Parce que après, ça, ça sera analysé à la loupe par nos, ok, par ces détracteurs, surtout les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel et ces classiques du RPG Arc-en-Ciel. À bon entendeur, salut, vous dispatcherez au maximum cette vidéo, partagez autant que vous voulez. Donc, c'était justement un petit bijou que j'avais à vous donner ce soir. Je vous aime. Bye bye. À demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous et bon week-end.